Yon la fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas visiter travail infrastructure qu'a réalisé dans le pays là. Mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media Now là, voulait remercier tout le monde qui toujours marche Bombard Media Now pour information pays là. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard de Police, équipe Bombard Media Now là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulons avec information. Yo, en oué. Ministre Travaux Publics, Transport et Communication, a déjà fait un viré dans le site PIA, dans l'idée pour vous garder travail infrastructure routière qui est réalisé dans la région SID là. Dans l'occasion, le ministère PTC a rencontré responsable direction départementale NIP avec SID PIA et puis il a annoncé travail infrastructure routière dans plusieurs zones dans le département SID PIA. L'autre information nous gagne pour dans département ni PIA, route quartier nouvelle cité pour arriver dans complexe administratif commune Miaguana, presque arriver dans Boutli, route ça pral faciliter circulation fait pi bien dans zone ça et puis moun k'ap travaille dans complexe administratif là, ak haïtien dans commune Miaguana, féliciter autorité yo en pile pour bon travail ça yo k'ap réaliser dans zone ça. Si information ça nous pote pour nous pas perdre temps, n'ap commencer coulier ya. Mon ami au TPTC dans Sud-Est, c'est là, ministre Nader Jasséis commencé à virer on est dans le département. Côté le palais avec plusieurs employés sous maladie coronavirus là. Sous ensemble mesures de adopter pour faire face à la pandémie. Après chita palais avec employé, ministre Nader Jasséis est rendu dans le garage là. Côté gain plusieurs matériels qui en panne. Responsable garage là, gain 60 jours pour réparer tout matériel yo, d'après explication autorité yo. En dedans, pour prendre un segment, c'est cassé. A pas de ça, il marche normal. Ou prend prix, pompe là. Deux, si le carré par ou checker le monde qui a réparé là. Pour comparer prix réparation à prix neuf. Pour faire un choix. Si je fais choix pour me réparer, je fais mon abon cotation, m'entrer pour parler à coordonnateur, directeur général ou et cabine ou moins pour nous recoder dans le bien comme là. Ils sont matériels, neuf. Donc, imaginez moi le 5 caoutchouc. Et logique, ça n'a pas entré, il ne faut pas entrer là-dedans trop. Non, vraiment, il y a un gros de l'eau qui compte la cause des gars, les lapis tombés. Il y a plusieurs dalles à canal qui construit pour bailler de l'eau à direction. C'est Banque Mondiale qui finance le travail. Oui, ça, c'est un dalle qui finance par Banque Mondiale. Et les GC représentants du ministère des Travaux Publics dans la Banque Mondiale, en collaboration avec le directeur départemental, là, c'est eux-mêmes qui construisent là. Son zone qui trouve en pile inondation, les lapis tombés. Les gens cyclones, c'est à l'eau de nous toujours prendre le monde pour nous sauver dans l'eau. Mais dans quatre visions pour nous résoudre l'inondation, ça sous moi-même, j'ai envisagé un projet, j'ai parlé ça avec le représentant de la Banque Mondiale là. Pour qu'on ait moyen pour faire le projet en entier, mais j'ai une possibilité pour nous faire une phase. La phase ça, c'est construire deux dalles dans la zone non, qui permettent de nous résoudre le problème d'inondation. La zone ça est une zone qui était très exposée. J'ai dit que Basile Dili, et qui était très inondable. Et une autre solution qui était gagnée, c'était fait drainage pour canaliser toute l'eau vers un exutoire qui t'a demandé un curage sur environ de 800 mètres. Et là, nous faisons investissement ça, nous construisons deux dalles dans la zone là, qui permettent de résoudre définitivement le problème d'inondation. Sur la route Kajakmel Marigo, la mer a été crasée la route là. Il y a un travail qui est déjà fait et puis qui continue à faire pour protéger la route là. On partit dans l'argent qui a financé le projet, ça a sorti dans l'enfer. Et puis reste là, c'est Banque Mondiale qui baille. Depuis Machu, et puis route n'a presque coupé, et puis jusqu'à présent, on est des mêmes gens. Donc, le directeur départemental, ensemble avec les représentants de la Banque Mondiale, a dit qui a travaillé, ça a commencé, qui l'est, et qui l'est, la fini tout. Et me félicite pour le travail là. Donc, on va parler avec eux pour le cas de population. Et qui finit qu'a fait tout, et puis. Pour y aller plus vite pour nous, parce que nous avons une période de cyclone encore. Sur la route là, nous sommes capables de dire que Machu est vraiment saccagé, R241, plus précisément, tronçon qui est trouvé entre Kajak et les Marigots. Et il y a des côtés moitié chaussée a été perdue, la main a été mangée. Et nous avons jugé bon pour nous protéger la chaussée. Et dans ce sens-là, nous avons commencé à rentrer Marigots avec combien de soutènement que nous avons commencé à faire avec fer. Et puis, comme nous avons bien réagi, nous tous, pour même là, nous évitons de faire gabion parce que gabion n'est pas bon dans le temps. L'homme mais à manger gabion. Donc c'est peut-être ça, nous changer tout le côté de terrain gabion, nous protéger. Et puis là, nous endroit, nous faisons un milieu de soutenement en maçonnerie. C'est comme ça que je dis là, nous là, on a pris avec. On entre plus que le FICO ça pour nous protéger
route là par rapport à l'Anmea là. Visite là te continue dans zone Zorangé, route qui tout près à l'aéroport Jacques Mel là. Plusieurs kilomètres dans route ça déjà bétonné. Travail pas différent dans zone Lavano. Côté gain travail qui déjà a commencé. C'est même route ça ou qu'a passé pour aller bout de côte de fer. Ministre PTC en promet pour continuer après ce travail. Oui, ça, si vous avez la responsabilité pour aller jusqu'au côte de fer, tomber dans le département sud. Ok? Mais, objectif, c'était Jean-Ren, nous entrer sur l'air, c'était fait en même état ça. Mais, il y a près de 13 km que nous avons ouvrir, couper les monnaies. Mais, les terrasses et les revêtements en fait sont environ presque 3 km. C'est un très bon travail. Et en OB, alors, regardez, ils sont OB de qualité. Moi, je dis aux félicitations. Et reste autour, nous parlons pas le côté encore pour nous financement pour nous faire. Parce que l'infrastructure routière, ce n'est pas équipement de l'argent, ce n'est pas équipement de cerveau, mais il demande des ressources humaines, il demande des ressources financières. Tout. Et nous allons chercher des ressources pour nous faire route. Parce que arriver à un maillage routier, c'est très important pour le pays. Hein. Sénateur Joseph Lambert, salue divers travaux infrastructure, administration président Jovenel Moïse réalisé dans CIDES. L'idée de projet ça qui commençait par l'avant-noua, c'est aller jusqu'au Côte de Fer dans le passé par 44. Dans la zone de la montagne, travail après démarrer lundi prochain. Grâce à quoi l'agent Bureau Central mettait à disposition direction départementale TPTC, particulièrement Bureau Direction Départementale TPTC CIDES. Visite sa fête dans le département Grandens, dans l'idée pour constater le travail qui est déjà fait dans la région ça, et puis où est ça qui campe, avec possibilité pour y démarrer, et puis garder le travail qui a fait pour qu'il y a. Nous avons l'aéroport Jérémy, côté technicien TPTC CRN, déjà fini à Casfat, sous piste atterrissage là. Ministre Nader Joasséis constate, puis il faut travailler fini dans l'aéroport, il était seulement travail maçonnique qui pour fait des arrivées piste atterrissage là. Ingénieur Nader Joasséis te gen ak li yon architecte qui pral faire plan étudio pour transformer aéroport ça en aéroport international. Jean-président Jovenel Moïse mandé ça. Mandé son monde communication. Et dans la dynamique ça, le président qui te construit aéroport ça dans Yuma et bientôt faire un aéroport international. C'est-à-dire mon Jérémy pas t'a obligé passer Port-au-Prince pour venir ici. Et c'est dans le cadre de Sambine là. Je viens avec un architecte de haut niveau qui cap dans mon plan rapide pour nous réaménager à Yogalan. Côté monde qui arrive, pas même côté à monde qui prale, c'est-à-dire arriver à pas même côté à Dipalan. Au niveau des aérodromes, c'est bien, mais au niveau des aérogares, ce n'est pas OACI, il y a un ensemble de règles OACI qui n'est pas respecté. C'est-à-dire, et arrivé par deux mêmes côtés à départ. Les gens qui viennent pas besoin de monde qui aller. C'est dans le cadre de ça nous avons un architecte qui est dans le cabinet, qui est consultant non, et qui va soumettre un plan rapidement pour nous commencer. Et bientôt, et mon Jérémy pour obliger à le Port-au-Prince encore, puis rentrer et dans le pays étranger, aussi bien les abraler, les abîner. 6,5 km asphalte déjà mis sur route Gagamoura, passé devant l'aéroport pour Albout, Bonbon, à Cabrico. Ministre TPTC a gardé travail pendant le préciser. Travail sur route Gagamoura, Bonbon, Abricot, Pape Campé. Ministre son homme de terrain lié, nous comptons d'avoir fait un petit travaux ici. Bon, ministre l'a venu pour le garder et bagaille pour le porter correction et puis chercher financement pour nous avancer plus. Ministre TPTC a Nader Joasséis a profité passage li dans Grand Danse pour garder avec responsable TPTC Grand Danse là. Il y a un ensemble de travail qui est réalisé dans la vie de Jérémy dans le cadre de caravane changement. Jérémy nous fait un pile route et en bébé et en béton hydraulique. Donc notamment une zone qui était délaissée, à lui-même c'était Caracoli, nous réhabiliter complètement. Toute rue Caracoli faite, notamment Moncaous et Saint-Ril, et toute rue net réhabilité. Et nous faisons, nous revêtons en asphalte, puis fonayo. Et gagne fait en béton hydraulique tout. Mais maintenant, nous finissons quitter Caracoli. Bon caille sénateur Sorel là, ni devant la caille, le ministre est étonné pour le voir, ni devant la caille, ni derrière la caille, ni sous côté la caille, tout côté fait. Vous comprenez? Un sénateur dans l'opposition. Ça veut dire que gouvernement travaille pour tout le monde. Il ne travaille pas pour le monde qui participe seulement, non? Il travaille pour tout le monde.
OK. Donc environ nous fait 7.5 km et route en bébé dans ville Jérémy. Pour prendre grandance là qui fait depuis sous président estimé et puis cap dégradé responsable a annoncé construction un autre pont sous rivière pendant à conserver ça qu'il a déjà grâce à financement banque interaméricaine développement et ministère là travaux publics les voulait projeter un autre pont et puis la conserver pont ça parce que pont ça son monument lié et pont grandance là et m'a tout profiter dit mon yo monde qui a percé pont tablier pont pour suspendre. Parce que si le ministère a cherché pour mettre un autre pont, pour projeter un autre pont pour nous, sur rivière Grand-Anse, et puis nous avons crasé ça là qui sont monuments, je ne sais pas quoi, ce n'est pas deux ponts comme ça qui sont en Caraïbes là. C'est BID qui a probablement qui a financé pont et pont estimé. À tout. Donc, oui, pont sur rivière Grand-Anse. Donc actuellement, nous allons démarrer la phase d'étude là. Probablement la durée 6 mois à peu près et automatiquement qu'une étude là n'a pas capable lancer exécution pour ça. Pour route Kay Jérémy, travail yo a recommencé dans jour qu'a venir yo. Route Kay Jérémy mesure 91 km en total. En total, sorti Carrefour et 4 chemins pour arriver et au bac. Nous restait à peu près 17 km pour asphalter. Mais on t'a dit que tout terrassement fini. Nous étions deux ouvrages de drainage seulement qui étaient. Donc avec des murs de soutènement, avec peinture, des signalisations. Donc ça fait que route la campée qu'on y a là, c'est parce que l'entreprise qui était pour faire là, c'est Estrella. Et le fait que le coronavirus, avant il y a un problème lock, nous connaissons, depuis 10 septembre, et puis après ça, il y a un coronavirus. Mais si tout le bagage est débloqué, en principe, dans 7 mois qu'a venir là, n'a pas inauguré ministre pas inauguré route là. Pour l'autre zone dans Grandas, tant que route Kafoubak, Mafran, Damari pour bout les Ziwa, travail au pas loin pour démarrer d'après responsable travaux publics. Compagnie Total Design Construction, l'État haïtien engagé dans 4 projets ça qui visait poser 450 mètres linéaires béton sur route qui sortit dans quartier Nouvelle Cité A pour arriver dans complexe administratif commune Miragouane. Projet ça pral faciliter circulation en fait puis bien dans zone ça. Nous commencer tronçon ça de 24 avril à date n'a travail sur lui mais nous gain pression après 8 jours nous ta supposé finaliser toute la net. Donc il fait environ 450 mètres linéaires. Presque un demi kilomètre. Donc là son route qui était gain en pile nécessité pour le ta fait dans la zone là parce qu'il y a un pile bureau qui s'est tiré en l'air. Donc là, et puis dans la zone là tout, nous sommes très intéressés avec le travail là tout. Nous faisons route là en béton, c'est parce que son zone qui est en pile de l'eau et l'asphalte là n'a pas résisté tellement avec l'eau. Donc nous préférons choisir faire lui en béton. Ton projet est toujours à attendre qu'il t'a supposé faire depuis bien longtemps. Donc nous venons arriver à terme, donc ça fait mon content en pile parce que yo remet travail la cap fait dans zone là parce que les lapis tombés même motocyclette pas qu'à monter. Li pas facile pour moun de circuler dans route ça d'après youn habitant zone ça qui pas de cacher satisfaction pour travail ça qu'a réalisé dans rue Saint-Cyrlan. Ah puis li pas aussi facile, il était en dur et motocyclette tout gagne quelques fois motocyclette comme ça accident dans route là. Mais qu'on y a l'argent nous bagaille nous restons notre travail. Différents qui fait et nous sommes nous contents pour le travail là, nous satisfaits de lui. Et bien, nous disons merci et bon Dieu continue à venir et l'État dans le travail. C'est trésor public qui finance le projet ça. Équipe Todekoa qui a exécuté le projet a supposé finir à travailler avant 15 juin qui a venu là, d'après superviseur. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.